Ah bah c'est bien ça, bah attends. Non non mais attendez, vous allez rester là, j'ai quelques questions à vous poser, deux secondes. Je vous écoute. Ça vous plaît bien la ville? Oui, sans souci, c'est sympa. D'accord, vous finissez à quelle heure ce soir? J'ai aucune idée, ça dépendra des urgences qu'il y a. D'accord, ça vous dit de prendre un petit café ce soir? Ah ouais, la drague. C'est très aimable de votre part, mais on va éviter le café. Ouah, elle a refusé. Mais attends, comment ça, on va éviter le café? J'ai pas compris. Donc là, vous refusez mon invitation? La salope. Oh, elle a refusé son invitation. Donc là, vous refusez mon invitation? Tout à fait. Oh, d'accord, la salope. Ah, vous savez quoi, j'insisterai pas. C'est quoi? Ah, ça, c'est pas bien. En plus, il arrive, regarde. Non, mais ce débat est très intéressant. Il t'a fait une putain de demande, hein, il t'a proposé. Non, mais attends, mais pourquoi t'insistes? Chut, tout le monde, je t'aime. Non, moi, je vais dire ce qui va se passer. Non, attends. Fluvio, s'il te plaît, tu me laisses parler pour une fois, parce que j'en ai marre, tout le monde passe devant moi. Moi, j'ai proposé à chez deux demoiselles, on va aller au cinéma tous les trois, et elle m'a dit, prends un coupé avec, et j'ai pensé à toi. Alors, on va aller tous les quatre au cinéma. Non, moi, je pars pas. Écoute, moi, je pars au cinéma avec personne, je lui proposais un petit café amicalement. Attends. La récompense, c'est de combien la course? Toutes les personnes qui participeront, ils gagneront les 3 000 $ chacun à chaque fois. Tu fais l'addition. Voilà. Hein, c'est les faire ce qu'elles veulent. Non, mais attends. Vas-y, termine. Je lui proposais un petit café amicalement. La meuf, elle me l'a décliné à croire que j'allais la pécho ou la ken sur un lit alors que c'est totalement faux. Faire draguer par des mecs qui traînent en bécane avec des cicatrices sur le dos, etc. Ouais. etc. Bah, tu sais quoi, bah, va te faire enculer, voilà. Elle est marre, moi. Allez hop, fin de service pour la peine. C'est le mec, là, je gueule. Non, mais pour de ça. Oh, mais t'es complètement malade. T'es complètement malade. T'es poliment entre lui proposer un café. Je lui ai pas dit... tu vois, un café. Je lui ai pas dit, viens, on va manger ensemble. Je lui ai dit un café. Meuf, elle veut faire la déclinisation. Bah, vas-y, décline ta soeur, maintenant. Allez hop. Oh là, elle préfère sortir avec des voyous. Bah, sors avec ta mère, allez hop. Moi, je reste tranquillement. Voilà. Et qu'est-ce que tu te prends, toi, Ed? Non, attendez, 50, Ed. Mais attendez, mais les mecs, maintenant c'est moi le méchant. Je vais te donner, mais non, tu me donnes rien. Quand je suis gentil, on me prend pour un con. Ah, maintenant, la tête de ma mère, je suis un gros bâtard. Mais non. Ouais, mais faut pas, parce que tu es pas le bâtard, tu es l'homme en or. Va, éviter pour la course, vas-y, va. Mais là, il va prendre cher. Mais non. Bon, l'insulte, c'était pas nécessaire. Non, j'ai pas insulté. En plus, j'étais très courtois. Bonjour, mademoiselle. J'ai beau courtois. Vous allez bien? Parce que d'abord, j'ai papoté. Ensuite, je lui ai proposé un café. Je lui ai même pas proposé de dîner ensemble. Rien, je lui ai dit un petit café. Elle est dans son droit de refuser. Je vois pas pourquoi tu lui insultes derrière. Non, elle a pas assis. Elle doit dire oui. Elle doit dire oui. Pourquoi elle doit marre. Parce que ce genre de meuf, regarde, c'est quoi, regarde. Bon, elle a droit de décliner, on est d'accord? Oui. Ouais. Et bah cette meuf-là, 2 heures après, tu vas la voir avec un vagos. Un vagos. Putain. Pas qu'un avec un plan, avec un jeune. Putain, le mec, il a un casier judiciaire. Tu n'es quoi de le faire tomber pendant 10 piges. Alors que moi, je travaille pour les forces de l'ordre. Attends, ça veut dire quoi? Non, mais attends, t'es en train d'insinuer quoi, là? T'es en train d'insinuer que nous, les mecs, comme nous, là? On peut pas draguer des meufs. Bon alors non, toi, mais délinquant, tu es le plus pourri, tu es pourri. Mais comment tu sais qu'on est des délinquants? Parce qu'il a dit, il est pas comme nous, monsieur. Si tu es pas comme moi, je sais que tu es délinquant. Mais attends, parce qu'il est en train de parler des casiers judiciaires, ça veut dire quoi? Il a dit quoi là? On sait pas, en plus on sait pas si elle va aller sur un cavalier. Parce que je suis pas policier, je suis censé être méchant. Parce que regarde, moi si je dois me comparer, je dirais que je suis plus beau que lui. Le mec là-bas, le portugais là-bas, et vous quatre en même temps. Ouais, je reviens vers toi pour rajouter une couche. Ouais. Non, je rigole, c'est pas vrai. Je viens juste à toi pour présenter mes excuses. J'avais pas de parler comme ça et
j'étais dans le droit de décliner mon invitation et je me suis laissé emporter. Donc, je... Un homme qui ravale sa fierté, alors ça... Bah, enfin, ouais. Est-ce que tu acceptes mes excuses? Oui, aucun souci. Ok, bah, merci beaucoup. Bah, écoutez les filles, je vous souhaite une agréable soirée et ça se reproduira plus. Très bonne soirée, Ed. Merci, au revoir. Elles me prennent pour un gros beau toutou de canard. Oh, non, pas du tout. Genre... Attends, je coupe le micro. Non, ils ne savent pas qu'il y a Fianso qui vient pour le stream demain. Non, ils ne savent pas encore. Non, Booba, il vient pas. Booba, il vient pas. Mais peut-être... Oh, qui c'est qui m'a dit oui? Ademo. Ouais. Je crois pas. Il est... Ils sont en Thaïlande. Il est en Thaïlande. Ouais. Du coup, je sais pas. Enfin, ouais, attends. J'avais pas coupé le micro. J'avais pas coupé le micro. Oh là là. Fait que j'avais pas coupé le micro. Oh. Oh. Bon, tant pis, on annule. On annule. Laisse tomber. Parce qu'il y a pas la surprise. Du coup, on annule. Bon, mais tant pis. Bon, mais voilà. Il devait y avoir Fianso, il y a des mots qui devaient venir à la villa, mais vu que je viens de leak sans faire exprès, ben on annule. Voilà, c'est pas grave. Pour la prochaine fois, d'accord. Waouh, il t'a baisé. Droite, tu l'as vu, hein. Attends, je regarde à gauche, à droite, tout à droite. Là, je connais pas ici. Gauche. Bien. Il est où là, à droite? À droite, ouais. Il a revenu, demi-tour. J'ai même pas vu. Tout droit, à gauche. Là, gauche. Droite. Sonne pas, Pascal. T'as plus d'essence là? Ouais. Oh putain, Pascal. J'ai plus d'essence. T'es pas sérieux, Pascal. Ah, vas-y, va mettre de l'essence. C'est bon, laisse tomber, on va tomber en panne, frère. Laisse tomber, va mettre de l'essence, va. Va mettre de l'essence. Putain, je suis dégueu. Vous allez mieux, j'espère. Oui, ça va. D'accord. Ouais. Vous parlez bien la langue de Molière, de ce que je vois. Un plus. Ah bon? Oui, je... À moins que... Allez-y, parlez un peu. Oui, bonjour, comment allez-vous? Non, c'est très bien. J'ai vu pire. Cool. Oui, cool. Ouais, cool. Je vous laisse vous mettre en tenue, hein, parce que ici, c'est pas le carnaval. Hein. Mais je suis en tenue. C'est quoi? Qu'est-ce donc ce pantalon? Et ces Santiago? En gros, ça, c'est des baskets de course. C'est pour courir plus vite. Mm-hmm. Et le pantalon, c'est une espèce de jean un peu extensible. Comme ça, je suis plus à l'aise dedans et je peux courir plus vite pour attraper les méchants. Négatif. Non, je peux pas, j'ai vraiment les pantalons. Oh non, s'il vous plaît. Regardez, même Dominique... J'étais en dépression, ne faites pas ça, s'il vous plaît. C'est bon, gardez-le. arrêtez, je suis très émotionnelle, je vais pleurer. Ok. Commencez pas à pleurer, s'il vous plaît. Moi, je vous ai rien dit pour vos ballerines, s'il vous plaît. Non, mais c'est vrai, j'ai mes ballerines, vous avez vos baskets, au final, on peut trouver un terrain d'entente. Un terrain d'entente. Okay. Vous êtes quoi? Vous êtes cadet, officier? D'accord, très bien. Ouais. Je vois sur mes registres que vous êtes monté, redescendu, vous avez fait un peu le yo-yo avec les grades. J'ai été sergent-chef et après j'ai écrasé l'ancien capitaine, je vais pas m'exprimer, du coup il m'a remis cadet et après je suis repassé officier. D'accord, très bien. On verra. Quels sont vos repos sous l'axe? Ok. Quels sont vos points forts? Je suis un bon négociateur. Et qui vous a appris la négociation? La rue. La rue? Ouais. D'accord, très parce bien. Parce que au lycée, en gros, il y avait des grands, ils voulaient me taper tout le temps. Et moi, je négociais avec eux pour pas qu'ils me tapent. Donc, du coup, à chaque fois, je m'en sortais. Bon, d'accord, très bien. Ok, très bien. Et voilà, la crème, elle a séché, je suis obligé de lui remettre maintenant. Vas-y, remets un petit peu, s'il te plaît. Remets un petit peu de crème là, parce que là je sens qu'il faut que tu remettes un petit peu plus. Masse bien, s'il te plaît, parce que ça me fait mal à l'hématome. Ah, tu fais la chaise, c'est bien pour les gens. Bah, c'est comme il faut. Vas-y, étale bien. Voilà, là, on est bien. Là, ça fait du yemb. Voilà, bien. Enfonce bien la crème dans les pores de mon corps là. Tu fais du sport un peu, non? Ouais, un peu, ouais. Allez, on arrête parce que ça va aller trop loin sinon, ok? Ouais, pas de problème. 05.
Merci. D'accord. Est-ce que j'ai la permission de la remettre? Alors, si vous ressemblez à un astronaute ou des choses bizarres comme ça, c'est non, hein. Un astronaute? Non, je dirais pas un astronaute. Je dirais plus un mastodonte. Non. Vous mettez, comme tout le monde, des chaussures. Madame, je me fais tout le temps tirer dessus, c'est toujours moi qui prends les balles. Écoutez, ce qu'on peut faire, c'est que on va vous trouver des ballerines. Et sachez que je me fais jamais tirer dessus avec des ballerines. Non, mais oui, mais si jamais vous faites... Non, mais moi, je veux de la protection, madame. S'il vous plaît. Madame, je sors d'une dépression. J'ai perdu mon meilleur collègue à la RSPI. Vous êtes sûr que vous voulez reprendre de service? Oui, madame. Bon, on va voir ce que ça donne. Allez mettre cette tenue déjà, je vais voir ce que ça donne. Ça marche, merci. Je vais écouter avec le verre de vin blanc. Ouais. Mais pourquoi ils me sortent à chaque fois le vin parce blanc que, parce que le vin je blanc, c'est le boisson majestueux. Ouais. C'est le raisin, il est écrasé non, avec non, le pied. Non, vous confondez avec le champagne. Hein. Ouais. Ah. Non, le déjà, champagne, c'est le boisson de... Mais c'est pas possible! Putain! Merde! C'est quoi ce truc? Oh, c'est chiant. Mais ça, c'est le karma. Hein. Je demande une patrouille au tribunal, s'il vous plaît, messieurs. C'est bon? Je casse le CRS. Prends un truc sérieux. J'ai demandé à la capitaine, elle m'a dit oui. Soulax est de retour! Capitaine, pour tous, 10-20. C'est quoi 10-20? C'est quoi 10-20? Au commissariat en train de. Justement, mettre en état d'arrestation la personne que nous avons arrêtée. Madame la capitaine, c'est quoi 10-20? Position. De tout le monde? Oui, votre position, s'il vous plaît. Commissariat. Mais là, je suis debout, là. Là, je suis debout, moi. Je vous demande votre position physique. Ah bah oui, je suis debout physiquement. Hein. Commissariat. Princesse, Malik et Bouguera, nous sommes avec l'individu. D'accord. Plus personne dans les quartiers? Négatif. Ok, évacuez tout le monde. Je veux plus personne vers les quartiers sans mon autorisation. Scott. L'autre, il a dit je veux une position, elle a dit je suis debout, ce fils de pute. Vas-y. On tente? On leur dit qu'on vient d'où? Ça vient d'où les marabouintas? Mais c'est pour ça que je te pose la question. Tu veux pas chercher sur Google? Vas-y, sur ton téléphone. Vas-y, je regarde, attends. Marabuenta. Marabunta. Moment des îles Amériques hispanophones. Une migration massive et destructive de fourmis légionnaires. Quoi? C'est des fourmis? C'est des fourmis les marabunta? Quoi? Les fourmis? Ouais, c'est des fourmis. Le mot marabunta désigne en Amérique hispanophone une migration massive et destructrice de fourmis légionnaires. C'est les fourmis qui piquent là, les rouges. Ouais. Je crois que c'est un peu raciste en gros. Je crois que ça voulait dire en mode des Espagnols qui envahissent l'Amérique, à mon avis. Voilà, Soulax. Eh, ça lui va bien d'être en moto, Soulax. J'ai pas mis de gilet pare-balles. J'ai pas de gilet pare-balles. Allez, roule. Ouais, je suis loin. Chérie, ce soir m'attends pas. T'es qu'une idiote si tu penses que je suis sympa. J'ai de la haine, observe bien la trace de mes pas. Le vent tourne et moi je reste au point de départ. Ouais, je suis loin, chérie, ce soir ne m'attends pas.